il rettore dell'Università Ca' Foscari, professor Michele Bugliesi. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera, benvenuti all'ultimo atto e al gran finale di Incroci, la decima edizione. Ho detto all'opening che è una delle occasioni in cui è particolarmente bello e un particolare orgoglio essere rettore di Ca' Foscari, e continuo a pensarlo. Abbiamo avuto, l'unico rammarico che ho è che in queste edizioni io riesco a frequentarle poco. Ho visto l'opening, ho visto un opening veramente bello, vivace, con un dialogo reale tra gli scrittori. Ragionavo con alcune persone dopo l'opening sul significato di Incroci, che è nella sua specificità unico, nella capacità di esprimere un aspetto e uno spessore scientifico in un festival della letteratura. Ci sono altri festival che tendono a piegarsi in una fiera del libro. Qui invece si parla di letteratura, dei significati, e si dialoga tra autori e tra autori al pubblico. E quindi in particolare ringraziamo gli autori. A warm welcome and thanks to all the authors that have made this 10th edition possible, and to the authors that have made Incroci possible through the years. And thanks to distinguished guests of tonight in particular. Grazie evidentemente a chi ha organizzato questi anni, questa edizione, il prorettore Flavio Gregori, and Women First, sorry, e Pia Masiero, che hanno... Grazie davvero, ringrazieranno loro gli altri, grazie a tutta la struttura. Tenere questo festival è complesso, c'è un lavoro enorme durante tutto l'anno, e un lavoro enorme in questi giorni, quindi grazie anche da parte mia a tutti coloro che hanno reso questo possibile, grazie a voi, al pubblico che frequenta il festival, lo aspetta, lo attende e attende le prossime edizioni. Sono passati 10 anni, iniziano i prossimi 10. Grazie rettore. Ringraziamo assieme al rettore, sì, di queste parole che ci scaldano il cuore nel senso vero della parola. Naturalmente questa cosa è possibile perché c'è il rettore che tutto questo guida, cioè il nostro Ateneo appunto, che continua a volerlo e quindi continua a renderlo possibile. Grazie, professor Michele Bugliesi. Alcuni saluti e ringraziamenti speciali prima di introdurre la conversazione di oggi. Abbiamo dei ringraziamenti che dobbiamo fare a tutti e li facciamo a tutti, quindi nella parola tutti sentitevi tutti coloro che hanno lavorato, collaborato e reso possibile questo evento. Dal 30 di marzo del 2016 fino al 29 di marzo 2017, cioè da quando abbiamo iniziato, il giorno dopo Incroci dell'anno scorso, a lavorare su questo numero, su questo decimo numero di Incroci. Dei saluti speciali che non sono di diminuzione nei confronti di nessun altro, ma sono speciali perché ci vengono dal cuore, da parte mia e di Pia, a Chiara Lunardelli, Irene Nasi, Consuelo Puricelli, alla coordinatrice di tutte le traduzioni che hanno fatto un lavoro splendida, Emanuela Cotronei, dov'è? Là in alto. È là in alto. Quella parte del teatro in inglese si dice The Gods, ed è appropriato. Tu. I miei studenti, ce ne sono 3 che vorrei menzionare perché sono proprio miei studenti, ma dietro i loro nomi ci sono tutti i volontari che ho avuto il privilegio di abbracciare durante l'inaugurazione. Quindi ricordo questi 3 nomi, ma veramente nel cuore ci siete tutti e ve l'ho detto durante l'inaugurazione. Valentina Agnès, Elena Boccato e Simona Dinolfi. I ringraziamenti istituzionali, ma sono sentiti, l'Alliance Française di Venezia, 66 and Second,
e la delegazione del Quebec a Roma. Sì. E ora? Il video. Naturalmente questa conversazione è tra due grandi, Dany Laferrière e Charlotte Rampling. Guiderà questa conversazione che non è semplice, ma la mettiamo nelle mani esperte di Monica Capuani. E ultimo ringraziamento, ma capirete perché, vi porterà 5 minuti, ma non è un ringraziamento di 5 minuti. L'ultimo ringraziamento va a Luca Bottone, che sta là, perché è l'autore, montatore e regista del video del decennale con cui abbiamo aperto Incroci di Civiltà, e a cui prego di mandare il video a concludere, non ancora, Incroci di Civiltà, video del decennale. Eccoci arrivati al momento che attendavate, Charlotte Rampling, Monica Capuani, Dany Laferrière. Yes. Buonasera e benvenuti, così numerosi, è sempre bello vedere tanta gente quando si parla di libri. Cominceremo come sempre qui a Incroci con due letture, prima Charlotte Rampling dal suo libro, poi Dany Laferrière dai suoi, e poi entreremo nel vivo di questa conversazione. Charlotte. Ce livre était écrit en français, qui n'est pas ma langue maternelle, mais je vis en France depuis longtemps. Je l'ai coécrit avec Christophe Bataille. Il était français, et finalement, on l'a fait en France, français. Mais maintenant, c'est traduit. J'étais très près dans la traduction pour vraiment que ce soit ma voix en anglais, qui est ma langue maternelle. Et ça donne ce résultat-là. C'est sur mon enfance. Et ce passage parle de ma sœur, Sarah. Sarah is sensual and defenseless somehow. I'm not sure really how to explain it. She has an uncommon grace and innocence. On that day, I am playing big sister. That's the part I've been given. I am her bodyguard, her protector. Sarah is 16 and I am just 14. We are wearing light summery dresses. Tom, her boyfriend, is on his own in the front of his tiny three-wheeler bubble car. I am sitting on Sarah's lap in the back. We are racing through the countryside on our way to Oxford. The bubble car is going down a long hill at top speed when a construction truck slowly pulls out without seeing us. Tom brakes like mad. We are going far too fast. We are far too heavy. Death is inevitable. Miraculously, our bubble car got past. We drove another 100 yards. Then Tom pulled over to the side, trembling, white as a sheet. We sat on the grass in the sun. I'll never forget the sensation, the feeling of being alive. Later on that day, Sarah and Tom slipped away, their arms around each other's waist. They walked off and lay down in the grass. I sat patiently. I was just there. I was probably hoping for some whispering, rustling. Then Tom emerged into the sunlight, followed by Sarah. Scrutinizing her beautiful face, I saw she was different, excited, miles away. I sensed a mystery in her.
Adesso sentiremo la voce di Daniela Ferrier. Bonsoir. Alors, ce livre, dont le titre « L'art presque perdu de ne rien faire », je l'ai écrit parce que j'avais l'impression que nous allons, avec une vitesse folle, vers un mur, que de plus en plus nous nous agitons sans raison, sans savoir même la raison de cette agitation, ni le but de cette agitation. Et ça m'avait rappelé une histoire de ma grand-mère qui disait, quand elle était, enfin, déjà vieille même, que généralement, les humains, durant leur vie, grimpent une montagne avec beaucoup d'énergie et arrivent au sommet, regardent ce qui se passe en bas et ralentissent. Et cette façon de ralentir, ça s'appelle la vieillesse, qui est une forme de sagesse parce que, tout simplement, cette personne-là vient de voir qu'en bas, ça ne valait pas la peine d'aller aussi vite. Et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre. La fourmi n'est pas à moi. Je ne sais pas quand j'ai commencé à compter ainsi les choses de la vie. Pourtant, on ne compte que ce qu'on possède. Si l'avare compte sans cesse son or, son angoisse n'est pas uniquement au sujet de l'or, mais aussi du fait qu'il sent que sa vie lui glisse entre les doigts. L'or ne bougera pas de sa cassette, mais les années, cet or autrement plus précieux, semble échapper à sa vigilance. Les chiffres naissent de notre obsession de posséder. J'ai arrêté de compter les étoiles quand j'ai compris que le ciel ne m'appartenant pas, on ne pouvait donc pas me le dérober, et la mer aussi, et la lune, bien sûr, et la petite rivière près du cimetière de mon enfance, où je me suis un jour couché sur le dos, sur une tombe, pour tenter de voir la vie du point de vue d'un mort. Ce mort dont on dit que fait de boue à qui on a insufflé un souffle de vie, il est retourné enfin à la poussière. Cette terrible métaphore biblique, inculquée dès l'enfance, ne me lâcheront donc jamais. M'est venue alors cette idée que la seule façon de sortir du cercle effroyable de l'obsession, c'est de ne plus chercher à posséder tout ce qui traverse mon champ de vision. Plus facile à dire. D'accord, mais tentons tout de même de suivre au moins l'idée jusqu'au bout. Vous savez, une idée ne prend vie que si on est honnête avec elle. Cette tentative de se défaire de la folie de posséder remonte chez moi à l'époque heureuse où j'avais encore du temps libre. D'ailleurs, je n'avais que cela à la sortie de l'adolescence. Je m'asseyais sur un banc du parc, comme le Diderot du neveu de Rameau, et mon esprit partait en chasse. Il suivait la première idée sage ou folle qui se présentait à lui. Bon, je m'assois sur ce banc du centre-ville et je tente de penser par moi-même. Est-ce encore possible quand on est imprégné par toutes ces lectures? J'ai si peu pensé et tant lu. Un homme sous influence, voilà ce que je suis devenu avec le temps. Ce que je veux semble simple et ne devrait pas nécessiter tant de gloses. C'est penser un bref instant à cette question de possession. J'en ai besoin pour ma quiétude d'esprit. Mais en même temps, je remarque que ce qui m'intéresse, ce n'est pas le résultat de la réflexion, mais le processus qui mène à ce résultat final. À propos de possession, j'avais débuté cette méditation par une banalité. On ne compte pas l'or qui ne nous appartient pas. Si je renversais la situation en me laissant posséder au lieu de chercher à posséder, je reste un moment immobile pour apprécier la découverte, puis son effet sur moi. Je sens alors se dissoudre dans ma poitrine cette boule d'angoisse qui s'y était logée
depuis si longtemps. Je l'avais parfois oublié. Un temps pour apprécier cette nouvelle situation avant de commencer à énumérer avec une étonnante jubilation tout ce à quoi j'appartiens. Le ciel ne m'appartient pas, j'appartiens au ciel. La lune ne m'appartient pas, j'appartiens à la lune. Les étoiles ne m'appartiennent pas, j'appartiens aux étoiles. La rivière ne m'appartient pas, j'appartiens à la rivière. La fourmi ne m'appartient pas, j'appartiens à la fourmi. L'arbre ne m'appartient pas, j'appartiens à l'arbre. L'enfance ne m'appartient pas, j'appartiens à l'enfance. La mort ne m'appartient pas, j'appartiens à la mort. Je vais partout libre, puisque je ne possède plus rien. Mais la conclusion ne me satisfait pas. Elle sonne comme un désir de sainteté, alors qu'il s'agit pour moi d'une tentative de retrouver ce sentiment de plénitude que je ressentais du temps que je passais mes nuits à me promener dans la ville endormie pour rentrer à l'aube, me jeter sur le lit défait de ma petite chambre crasseuse. Vi sarete chiesti, come mi sono chiesta io, perché due personalità così diverse come Charlotte Rampling, una delle più grandi attrici del cinema internazionale, un'attrice unica, e Danila Ferrier, uno scrittore che nasce ad Haiti, deve fuggire in esilio, arriva a Montreal, oggi è un accademico di Francia, siano qui sul palco insieme, e non per la prima volta, perché hanno fatto già molti incontri insieme pubblici. Ci sono vari motivi, e li scopriremo insieme stasera. Uno, il primo è che hanno un editore italiano in comune, che è 66 and Second, un editore che capisce veramente le cose belle, capisce che i libri sono oggetti fragili, vulnerabili. Poi c'è Verso il Sud, un romanzo di Danila Ferrier che nel 2005 Laurent Canté ha trasformato in un film con Charlotte Rampling protagonista, e immagino che in quell'occasione debbano essersi conosciuti. E poi c'è il mistero di un'affinità elettiva, che è qualcosa che rimane implicito. Io mi sono divertita, leggendo i loro libri, a cercare delle cose in comune, e invito anche voi a farlo quando li leggerete, perché ce ne sono molte. Volevo rivolgere la prima domanda a Charlotte. Questo libro, che oggi è pubblicato e che i lettori possono leggere, ha rischiato di non venire al mondo, perché c'era stata l'idea di un memoir americano, c'era un contratto già firmato. Questo libro non è venuto al mondo, e ci è voluta forse la pazienza e la lunga pazienza di molti anni di Christophe Bataille, che ha incontrato Charlotte nel tempo, per farlo venire al mondo. E volevo chiederle come e quando ha capito che il libro sarebbe venuto al mondo. Che sarebbe nato, cioè che sarebbe esistito. Je prends le micro. Et je parle dedans. Me voilà. Ça a pris longtemps parce que quand j'ai réalisé que l'écriture était toute une histoire, que c'était pas juste, tiens, je vais écrire mes mémoires, je vais écrire, voilà, un petit truc à droite ou à gauche. C'était toute une histoire, tout un travail, toute une réflexion de très 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 longue durée, peut-être une vie.
J'avais pas une vie, j'avais déjà, on parle de maintenant, il y a 10 ans, 15 ans, que je voulais vraiment apprendre à écrire, apprendre à comprendre, à travers les mots, ce que je voulais vraiment dire, ou ce que le monde voulait me dire, ou ce que Dieu voulait me dire, ou je ne savais pas, mais de pouvoir mettre des mots sur page qui avaient une vraie résonance en moi, qui résonnait juste, et que je pourrais dire, voilà, who I am, this is, ça c'est moi, ça c'est un petit peu de moi, ça c'est tout ce que vous aurez là, c'est moi. Ça a pris très longtemps parce que quand j'ai commencé les mémoires, que je voulais collaborer avec un journaliste, elle voulait donc détourner l'angle d'une telle façon que c'était plus moi du tout, c'était une sorte de, je sais pas, je reconnaissais même pas la personne sur laquelle elle écrivait. Donc j'ai arrêté ça, et à ce moment-là, Christophe Bataille est venu comme une sorte de électron libre, un esprit, il m'a écrit, cet homme m'a écrit un jour, il est auteur lui-même et éditeur, un mail extraordinaire, donc il m'a donné envie de le rencontrer et parler, et nous n'avons pas arrêté de parler pendant 6-7 ans en fait. Bon, pas arrêté, ça veut dire on se voyait de temps en temps, très, très espacé parce que je travaillais, il travaillait, mais on avait toujours un point de chute, un point de repère, un point de dialogue, qu'on savait qu'on pouvait, surtout moi, trouver, parce que sinon je ne pouvais pas le faire seul, parce que être un écrivain, Denis le sait complètement, comme tout écrivain, c'est quelque chose que vous faites tout seul, jour après jour, jour après jour, jour après jour, et je n'étais pas prêt pour ça. Est-ce que je le aurais jamais un jour? Je ne sais pas, c'est pas ça le propos. Le propos était que je voulais pondre mes lignes à moi un jour, et les voici, voilà, c'est tout ce que je peux dire, et après on verra. Est-ce que je devais arrêter là pour une traduction? Dunque, ah, ça se fait automatiquement. Tutto questo delirio è perché io, avendo un compito non facile, ho voluto almeno il privilegio di parlare nella mia lingua madre, quindi mi scuso con voi, però mi serve questo. Denis scrive nel suo libro: il più bel viaggio nel tempo che io conosca è quello che ci permettono di fare i libri. Apparentemente ti trovi in una stanza, mentre in realtà stai vagando attraverso i secoli. Si dice che a volte i libri salvino la vita, io penso che in alcuni casi non è una banalità, ma è vero. E credo che per Daniela Ferrier il rapporto con i libri e con alcuni autori che veramente lui fa tornare la voglia di rileggere o di leggere, e sono autori come Rilke, Tanizaki, Bulgakov, Gombrowicz, Hemingway, Alexis, Basho e naturalmente Borges, ai quali dedica un capitolo straordinario nel suo libro L'arte ormai perduta del dolce far niente. Credo che nel caso di un ragazzo che vive ad Haiti in una dittatura, i libri siano stati veramente la salvezza. È vero questo? Ed è vero che in quest'epoca anche di social media, di tempo veloce, stiamo un po' perdendo il tempo per leggere? Je ne sais pas, j'ai toujours des doutes à parler pour les autres, comment ils font. Et la lecture, comme l'écriture, m'a appris la vie solitaire. Et parce que je crois, j'ai toujours eu peur de cette érudition, cette façon de comprendre le monde de manière panoramique, de jeter un regard d'ensemble. Et mon rêve a toujours été de fouiller plutôt, d'aller au plus profond dans la terre et d'essayer de découvrir ce que Truman Capote appelle les grands monstres. Les grands monstres. Et parce que la littérature, dès le départ, a été pour moi une promesse et un rêve. J'ai lu le livre, mes premiers livres, c'est-à-dire Cendrillon, Peau d'âne, surtout Le Chaboté, et pour son élégance et sa loyauté. Et je ne sais pas, j'ai cru totalement, comme tous les enfants. Mais à 64 ans, je continue à
croire de la même manière. Et je crois encore plus aujourd'hui dans les livres et que quand j'avais 5-6 ans. Pour une raison très simple, c'est que la promesse a porté fruit. J'ai quitté Haïti sous cette dictature, je suis arrivé à Montréal, je ne connaissais personne. J'ai travaillé pendant 8 ans dans différentes usines et je me suis acheté une machine à écrire un jour et j'ai écrit un livre. Pas aussi simple que cela, puisque Charlotte l'a bien expliqué. J'ai écrit ce livre de tout temps, peut-être du fond de mon enfance. Mais je l'ai écrit ce livre en pensant qu'il allait me sauver comme un enfant. Et le livre est sorti et je suis passé de l'usine à la télévision. On a trouvé du travail pour moi à la télévision. Je suis passé du travail forcé, puisque je travaillais, j'étais ouvrier illégal. Donc j'étais payé directement pour un travail absolument abominable. Payé directement, ça veut dire que je n'avais aucune charge sociale qui était prise. Donc j'étais, disons, un homme nu dans cette ville. Et me voilà tout de suite quelqu'un à qui on demande son opinion sur toutes sortes de choses. Sur la peinture, la littérature, le jazz, que j'ignore. Mais comme du moment qu'on est noir, on doit connaître le jazz. Donc j'ai eu des doutes sur mon identité à ce moment-là. Je sais ni danser, ni je n'aime pas le jazz. Bon, enfin. Mais j'aime la littérature. J'aime lire et écrire. Et c'est avec la littérature uniquement que je fais mon chemin tout seul, puisque ma mère est en Haïti, tout seul, dans cette vie. Et est-ce pourquoi je peux dire que cette promesse a porté fruit et que je crois encore plus, et je trouve la littérature encore plus concrète, physique, réelle et en même temps rêvée, merveilleuse, miraculeuse que du temps de mon enfance. L'infanzia è un altro tema comune in questi libri di Daniela Ferrier e di Charlotte Rampling. Nel libro di Dani si legge: l'adulto sa che le cose, come le persone, possono tornare. Per un bambino è diverso, ai suoi occhi è tutto un succedersi di addii. Allora, gli addii sono un tema comune. Charlotte è figlia di un militare, quindi nel suo libro si legge: traslocammo 7 volte in 13 anni. E quindi lei racconta molto bene, come altri scrittori hanno già fatto su questo palco, per esempio Amélie Nothomb, che è figlia di un diplomatico, o Anne-Marie MacDonald, che è figlia di un militare, questi bambini, figli di militari, devono continuamente cambiare paese, cambiare città, seguendo i traslochi del lavoro del padre. Quindi sono bambini abituati a dire addio agli amici da molto presto. Ci racconta un po' queste sensazioni, Charlotte? J'imagine qu'on sait tous que toutes les plus fortes émotions enfantines restent avec nous. Parfois ils sont très très gênants, parfois ils sont ok, parfois ils sont dans l'ordre des choses, parfois on pense qu'on pourrait se séparer d'eux, mais on n'arrive pas et toute sa vie est passée avec certaines sensations très fortes. On ne sait pas vraiment d'où elle vient, parce que est-ce que c'est précisément un abandon, est-ce que c'est précisément un départ, est-ce que c'est précisément un adieu? Pas nécessairement, c'est un ensemble de sensations de solitude absolue, où on sait que ça ne va jamais être pareil à nouveau, et qu'il faut qu'on recommence, et qu'il faut qu'on se reconstruise. Mais bon, on y va, parce qu'enfant, on se reconstruit. J'avais une enfance heureuse, j'avais deux parents, j'avais une sœur, j'avais un chien, on bougeait, il y avait plein de choses qui se passaient, très positives. Mais à l'intérieur de cette positivité, ce qui est fondamental en nous, enfants, ce qui nous creuse et ce qui fait qu'on est comme on est maintenant, comme je suis maintenant, sont toutes ces choses-là qui étaient d'une profondeur, comme Dani dit, où je descendais chez les monstres et je me
je m'installais parfois parce qu'il fallait avec les monstres avant que ces monstres-là deviennent prodiges et que je peux remonter à la surface. Tout ça, toute cette terre fertile qui est notre enfance fait que j'ai pu, avec un tout petit livre de à peine 100 pages, avec tout ce voyage que je vous ai fait avant de mettre un mot sur une page, mais ça m'a permis de mettre en image, parce que pour moi ce qui se passait très vite, c'était que quand je sonnais juste, quand la résonance de mes mots était juste pour quelque chose que je voulais décrire, il y avait l'image. Et cette image, c'était comme une forme de presque une rédemption. Je savais que le moment était finalement vécu et que ça pouvait partir, si elle voulait, où ces images et où ces peurs et où ces peines partent, Dieu sait où. Et au fur et à mesure que l'histoire, cette petite histoire de my childhood, parce que je voulais seulement arriver jusqu'à 20 ans, tout le reste s'écrit ou dans les films que j'ai fait ou ça ne s'écrirait pas, parce que ce n'est pas ça que je ferai après, juste après 20 ans, que ces peines-là, que ces questionnements-là, que cette richesse-là pouvait trouver quelque chose à travers les mots. Et c'est pour ça que à la fin, je ne pensais pas que j'allais écrire nécessairement sur mon childhood, sur mon enfance, mais c'était juste un texto de mon fils, c'est dans le livre à la fin, que je reçois dans la nuit, et il me dit « I am sitting next to Sarah ». Je suis assis à côté de Sarah. Sarah qui était dans sa tombe depuis, je ne sais pas combien d'années, je ne compte jamais, peut-être 30 ans. Je ne suis jamais allé voir la tombe, ce n'est pas quelque chose que j'avais envie de faire, donc je l'ai fait. Et quand il a écrit, quand j'ai vu ces mots écrits dans mon petit téléphone de lui, je savais que j'avais fini mon histoire de mon enfance, que le poème était en fait pour Sarah. Toute cette histoire était pour Sarah. C'était notre enfance vécue ensemble qui s'achevait avec ça. Et je suis un peu partie dans une réflexion là qui n'était pas nécessairement... C'était le sujet, ben, l'abandon, je ne sais pas. C'était, oui. Non, c'était une forme de magnifique. Forme de questionnement. Forme de questionnement aussi, oui. Ah là, voilà, non, c'est là que je voulais dire. Ce moment-là, je savais que je n'étais plus seule. Je sais pourquoi. Donc j'avais fait tout ce chemin pour pouvoir sentir à travers l'écriture. Je ne l'ai pas fait dans la solitude comme Daniel fait. Je n'ai pas eu le début du tout que Daniel, où il a vraiment fait que la littérature et les mots le nourrissaient, qu'il le creusaient, qu'il formait l'être qu'il est. Moi, je l'avais complètement fait différemment, mais la fin était pareille, parce que ça nous donne parfois la réponse. J'aimerais juste vraiment épouser les pensées de Charlotte Rampling sur cette question-là, c'est-à-dire l'idée d'avoir quelque chose au fond de la poche et de ne pas savoir quand est-ce que, j'allais dire, ça va devenir quelque chose qui changera notre vie ou qui la... C'est très difficile à dire un peu ce que c'est. Je vais peut-être le faire en images. J'avais écrit un premier roman qui avait eu un très grand succès, « Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer ?» Et j'étais happé par cette soudaine célébrité. Et j'étais malheureux un peu, pas parce que j'étais connu, j'adorais ça, j'ai tout fait pour ça, mais parce que je sentais que je m'éloignais de quelque chose et qu'il fallait bien que je retourne à la structure, la forte structure, et qu'il fallait bien que je la touche un peu avant d'avancer plus loin. Et j'ai sorti du fond de ma poche cette pépite qui était une petite histoire de mon enfance sur ma grand-mère.
Je me souviens très bien, d'ailleurs j'en ai parlé à un ami ici hier soir, de ce moment. J'ai quitté Montréal précisément pour échapper à toute cette agitation qui se faisait autour d'un jeune auteur, puisque j'étais le premier à voir mélanger sexe et couleur dans cette ville toute fraîche, blanche de neige. J'avais osé parler du nègre et de la blanche et de la sexualité qu'il a fait, enfin. Et là, je quittais Montréal, je suis arrivé à Miami, et je me souviens, on est rentré, la famille, dans cette maison, et il y avait cette petite chambre qui donnait, où il y avait une fenêtre, et la fenêtre donnait sur un arbre tropical, et tout est parti de là, un peu comme ces petits mots et du fils de Charlotte Rampling. Tout est parti de là. Je me suis assis devant la petite table et j'ai voulu écrire un livre qui ne serait pas un livre, enfin du moins pas seulement un livre. Je voulais écrire un livre qui pourrait m'écrire moi-même. Je ne voulais pas que ce livre vienne de moi, je voudrais qu'à la fin, que ce soit moi qui vienne de ce livre. Et donc, je savais que j'allais prendre du temps. Et je n'avais pas peur de prendre tout ce temps-là. Et pourtant, le livre fut fait très vite. Alors, je me suis dit, pour écrire sur mon enfance, il faudrait tout simplement que je devienne le professionnel de mon enfance, que je n'étais pas, je ne pensais pas souvent à mon enfance. Il faudrait bien que j'y pense pendant des mois sans arrêt, sur chaque petit détail. Alors, je vais mettre la structure simplement d'abord. Alors, mon enfance, c'était d'abord une rue. Alors j'ai essayé de me rappeler toutes les maisons de cette rue-là, et je voyais cette rue un peu en serpent, comme un cobra aveuglé par le soleil qui filait vers la montagne. Alors il y a la montagne en face, il y a derrière moi la mer des Caraïbes, la mer turquoise des Caraïbes. Une petite maison, et l'adresse, j'ai voulu en faire une adresse éternelle, c'est 88 de la rue Lamar. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a dans cette maison-là? Il y a quelqu'un, une grand-mère qui est assise devant la maison sur une chaise berceuse avec une cafetière à ses pieds et qui boit du café. Il y a une grande salle juste après où on entreposait le café. Le café, mon grand-père le vendait à un grand négociant qui l'exportait en Italie, m'a-t-on dit. C'est la première fois que j'entendais le mot Italie d'ailleurs. Il y a une autre salle, un salon, où personne ne va jamais, on évitait d'y passer d'ailleurs, c'était toujours dans l'obscurité, avec des meubles toujours couverts de draps blancs. Donc il y avait toute une ambiance de fraîcheur à la fois. Alors je voyais cette maison et j'écrivais à chaque fois des petites notes et à propos de tout cela. Et qu'est-ce qu'il y avait comme sentiment? Celui qui me reliait à ma grand-mère bien sûr, aux fourmis qui étaient par terre et à la petite fille Vava qui remontait la rue Lamar vers chez elle, chaque après-midi avec sa mère qui la tenait par la main. Je voyais aussi un chien maigre qui était le mien, mais il était si maigre et si laid que je refusais de dire qu'il était à moi. Enfin, quand il me rencontrait dans la rue, il venait se frotter près de moi, agiter sa queue, et je faisais semblant de ne pas le connaître. Et toutes les religions parlent de cela, c'est-à-dire le reniement. Alors à chaque fois que je faisais un reniement pareil, quand il revenait à la maison, je le caressais, je le prenais dans mon lit, enfin. Tous ces sentiments qui m'agitaient, j'ai noté tout simplement, et à un moment donné, sous cette montagne d'émotions, de sensations, et je voyais surgir le livre, tout petit, comme celui de Charlotte. Et c'était le livre. C'est à partir de ce livre que j'ai posé ma vie, et j'ai compris que cette tasse de café que ma grand-mère buvait sur la galerie devant la maison, était en fait la métaphore la plus heureuse de l'écriture. Ce café noir qui ressemble à l'encre, cette cafetière assise qui est un peu l'abondance, la corne d'abondance, parce que c'était toujours rempli de café, on dirait que ça finissait jamais. Et c'est ça l'écriture, ça ne finissait jamais. Cette galerie qui est un peu qui surplombe, et les gens qui passaient dans la rue, et à qui ma grand-mère parlait sans cesse, et à chaque fois qu'il s'adressait à un, il le renseignait sur un autre, et ainsi de suite. Je savais, moi, tout ce qui se passait dans la ville. N'est-ce pas le roman? Et je suis descendu dans cette cale des navires,
pour apprendre un peu comment marchait cette machine de l'écriture, mais sur une émotion, celle de l'enfance. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti que j'étais devenu écrivain. Beh, questa bellissima descrizione della ricostruzione della memoria che fa un libro, che può fare la letteratura, mi porta alla mia prossima domanda, perché c'è una categoria di libri che sono un monumento alla memoria di persone che non ci sono più, e sono dei libri molto speciali. Penso all'Anno del pensiero magico di John Didion, a Onda di Sonali di Ryan Gala, anche al libro di Carrer sullo tsunami, Vite che non sono la mia. Secondo me questi due libri appartengono a questa categoria, perché c'è un libro del quale ancora non abbiamo parlato, di Daniela Ferrier, che è pubblicato da 66, che si chiama Tutto si muove intorno a me, e che racconta di quando Dani, per caso, in una delle sue visite ad Haiti, si trova lì durante il terremoto, e quindi è un testimone di vite che non ci sono più e della forza della gente di Haiti. Il libro di Charlotte è un monumento alla memoria di sua sorella. Quindi volevo chiedere a tutti e due di riflettere su questo, cioè su questa forza che ha la letteratura di restituire un omaggio molto più grande di un monumento in pietra a delle persone morte. Peut-être c'est la seule façon de réaliser qu'ils sont morts. Peut-être c'est la seule façon de comprendre qu'ils ont disparu pour toujours. Parce que si nous ne faisons pas quelque chose très personnel pour ce que nous aimons, nous n'allons jamais avoir l'impression de se connaître ce que c'est quelqu'un, de connaître ce que c'est cette chemin que les morts prennent. Et pour, on sait qu'on va le prendre, mais on ne sait pas ce que ça veut dire du tout, du tout, du tout, du tout. Et donc on peut s'inventer des théories et des histoires, et la religion, et beaucoup de dictums, et les philosophes, tout le monde trouve, essaye, on parle d'ailleurs dans la littérature presque que de ça. La mort, c'est c'est le sujet par excellence qui révèle que nous sommes vivants. Et moi, je ne savais pas, comme je vous ai dit, que ces écrits allaient être sur ma sœur, mais ma sœur m'a hantée jour après jour après jour, sans que je sache. Les problématiques que j'avais eues toute ma vie, bon, ce n'était pas lié directement à elle, évidemment pas, mais elle était toujours là, comme quelque chose qui n'était pas résolu. J'avais pas la réponse, je ne savais pas. Et c'est par la voix de là, c'est par cette pas ce petit chemin, je sais que c'est un petit livre, mais mon chemin est tout sauf petit, ça je le sais. Mais j'ai pu trouver par le chemin des mots, par le chemin de cette forme d'accompagnement, que j'accompagnais ma sœur, ma mort, ma mort fondamentale de ma vie. Il y a eu d'autres, mais elle, c'est la mort, c'est ma mort. Et je l'ai pu, voilà, j'ai pu faire en sorte que, voilà, que c'est ouvert vers le monde, que c'est ouvert vers l'univers. It's fine, it's okay. Je sais, je suis avec, pas pour être avec elle, c'était pas ça du tout. C'était pas, évidemment pas pour être avec les morts, c'est pour pouvoir avoir une forme d'accompagnement. Pour moi, c'est ça, d'accompagner les morts. La mort a des formes très, très précises en Haïti. Elle est concrète.
elle est quotidienne, elle est réelle et elle arrive vite. L'espérance de vie haïtienne a toujours été très brève. Et c'est quelque chose qui a pris une dimension tragique et mystique dans la pensée haïtienne. Et pendant longtemps, enfin jusqu'à dernièrement même, les gens ne mouraient pas en Haïti. Les gens étaient mangés par des diables. Ils étaient pris dans une mystique. Je n'avais jamais entendu personne. C'est Duvalier qui a créé la mort laïque. La mort civile, la mort que l'on connaît en Occident. Et mais avant, c'est toujours une chose mystique et qui m'a toujours hanté aussi, au point que je savais que j'allais mourir vite, parce que c'est très facile à savoir en Haïti. Il suffit de quitter le pays pendant 10 ans et puis vous revenez et 80% de vos amis sont morts. C'est aussi simple que ça. C'est là qu'on a compris que le chiffre d'espérance de vie qui est très bas, c'est un chiffre réel. La vie va vite. La vie va vite, la médecine n'existant pas. Et la mort est si présente qu'elle élimine le suicide. Très peu. Très peu de suicides en Haïti, c'est l'État qui s'occupe de la mort. La dictature. Donc il y a des formes. Je me souviens d'ailleurs, et avant d'entrer dans l'aspect métaphysique et de la mort, je me souviens d'ailleurs quand j'ai été élu à l'Académie française, j'étais à Port-au-Prince ce jour-là. Alors, le mot qui revient le plus souvent, c'est être un immortel, un académicien. Et les gens étaient en train de rire et de moi. Enfin, d'abord, ils m'avaient pris au sérieux, pensant que j'avais vraiment trouvé un truc. Alors, quand j'ai bien expliqué que ce n'était pas l'académicien qui était immortel, mais la langue française, et que lui, porteur de cette langue, devenait immortel, d'académicien mort à académicien mort, la langue se poursuit. Alors, les Haïtiens se sont dit, bon, enfin, les Français sont toujours des plaisantins. Ce n'est jamais sérieux, parce que nous, la mort, il y a beaucoup de choses excessivement précises qui sont liées à cela. Et on peut aller voir un prêtre vaudou qui vous donne cette possibilité de poursuivre une vie au-delà de la vie. Enfin, j'ai écrit même des livres là-dessus, et Pays sans chapeau. Pays sans chapeau, d'ailleurs, c'est le titre d'un livre. Ce titre veut dire, l'au-delà, c'est un pays où personne ne porte de chapeau, parce que personne n'est jamais enterré avec son chapeau. Donc, la mort existe profondément. Il se trouve que j'étais présent au moment du tremblement de terre de Port-au-Prince, Et j'étais dans un hôtel assez cossu, et je me suis retrouvé sur le terrain de tennis de l'hôtel avec les clients de l'hôtel, et j'ai vécu ce moment du tremblement de terre de Port-au-Prince, et on se souvient, près de 300 000 morts, sur le terrain de tennis de l'hôtel. Ce jour-là, il devait y avoir une grande fête parce que l'école de droit, la faculté de droit de l'Université d'État d'Haïti fêtait son 80e anniversaire, j'ai oublié, donc on avait fait beaucoup de petits fours et il n'y a pas eu la fête. Donc ce qui veut dire que j'ai passé cette nuit-là à manger des petits fours sur le terrain tennis d'un hôtel cossu. Je suis écrivain et j'ai voulu écrire un livre sur ce moment-là. J'ai voulu écrire un livre parce que j'ai voulu savoir si j'étais écrivain pendant le tremblement de terre. J'ai commencé à écrire sur le tremblement de terre un quart d'heure après les premières secousses. J'avais un carnet avec moi puisqu'on ne pouvait plus rentrer dans l'hôtel. La partie qui n'était pas tombée pouvait tomber à tout moment. Les secousses continuaient, bien plus légères. Mais on a eu près de 50 durant cette même nuit. Et donc tout le monde restait dehors. Ceux qui avaient un livre, un carnet et un crayon comme moi et pouvaient écrire. J'avais une sensation extrêmement étrange d'être la seule personne à Port-au-Prince en train d'écrire. J'ai commencé à écrire pour deux raisons. Tout d'abord, c'est étrange, au lieu de m'occuper des morts, je me suis soucié des fleurs. Je suis allé voir dans le jardin de l'hôtel si les fleurs à longue tige étaient tombées. Et j'ai été très impressionné, aucune fleur n'était tombée. Alors que toute la ville, parce qu'on voyait une poussière dans le ciel, toute la ville s'était agenouillée. C'est le verbe qui a été dit dans la presse haïtienne, parce que les immeubles ne s'écrasaient pas,
ne tombait pas à la renverse, il tombait comme ça, étage par étage, comme s'il s'agenouillait. La poésie haïtienne est si vive qu'elle a tout de suite trouvé un mot pour dire « et cette situation est nouvelle ». On était pendant 48 heures sans personne, sauf les morts et les vivants. Il y avait 300 000 morts à peu près, il y avait un peu plus de blessés, et personne n'était à sa place. Le tremblement de terre était arrivé vers 16h53, je crois. C'est une heure absolument de mobilité sociale extraordinaire. Tout le monde était dans la rue, les enfants et tout. Donc, ce qui nous a sauvés d'ailleurs, ce n'était pas du tout pendant la nuit. Personne ne pouvait, disons, reprocher à personne d'être vivant ni d'être mort. On n'avait pas encore compté les morts. Comme disait Charlotte, on n'aime pas compter. C'est une ville de près de 2,5 millions d'habitants. On ne savait pas. Il y a des gens qui mouraient sur le chemin et on jetait un drap dessus. Simplement. Et c'est ce que je voulais faire en écrivant ce livre. Jeter un drap sur le cadavre de Port-au-Prince. Parce que tout de suite après, des journalistes du monde entier vont arriver. Ils vont beaucoup s'intéresser aux maisons qui tombaient, aux hurlements, aux cris de douleur, mais très peu aux vivants, ce qui est étonnant. Sauf un jeune homme que j'ai croisé, on était sortis pour aller voir les dégâts, et il a arrêté sa voiture près de notre voiture, et il a ouvert les bras par la portière en hurlant « Je salue les vivants ». C'était la première fois que j'entendais saluer les vivants. « Je salue les vivants ». C'était le lendemain du tremblement de terre. Donc, on n'allait pas s'inquiéter, la presse internationale questionnait les vivants à propos des morts. C'était la mort qui avait pris toute la surface, sauf pour ceux qui n'étaient pas morts. On était contents d'être vivants. Il y avait une joie, une énergie incroyable dans cette ville. Quand je suis allé voir ma mère, et j'ai pu rentrer dans la rue, et je l'ai trouvée, elle m'a sauté dans les bras, et elle m'a dit tout de suite qu'elle a passé une nuit extraordinaire parce que depuis son enfance, elle n'avait pas dormi à la Belle Étoile. Et qu'elle avait ignoré cette joie primitive, enfantine, physique, réelle de dormir et de regarder les étoiles. Pourtant, c'est une ville où il fait tellement chaud, où on est sous le béton constamment, on aurait dû choisir. Et depuis, Port-au-Prince a appris à dormir à la Belle Étoile. Mais j'ai voulu tenter d'abord de dire la vérité dans ce livre, de dire que j'ai écrit ce livre, que j'étais sur un terrain de tennis, que je me suis inquiété des fleurs d'abord avant les vivants, et que j'ai mangé des petits fours le soir même. Et j'étais, c'est le premier livre paru sur le tremblement de terre, et j'ai dit toute la vérité là-dessus. J'ai voulu être le plus proche de la vérité, parce que j'ai toujours, la seule chose que je détestais dans les livres pour enfants quand j'étais petit, les contes de fées, c'est le fait que la princesse était la plus belle fille du royaume, alors que le roi était gras et laid, et la reine pas si bien que ça. Alors je me suis dit, comment elle a pu être la plus belle? Je n'aimais pas ce mensonge-là. Je me suis dit, est-ce que je peux me coller le plus proche pour que quelqu'un, dans 100 ans, puisse lire et savoir, du moins dans ce petit carré où je vivais, ce qui s'était passé vraiment? Eh bien, ce qui s'est passé est extraordinaire, et m'a aidé à aimer la littérature. Tous les gens qui sont venus acheter le livre sont des gens extrêmement pauvres. Ils sont achetés, enfin, ils sont venus, j'ai signé, et ils ont acheté d'une certaine façon parce qu'ils ont pris le transport en commun qui coûtait de l'argent. Ils sont venus de loin, de partout. J'ai signé le livre de 9h du matin jusqu'à 10h du soir. Il y avait un verre à côté pour boire de l'eau. Je n'ai même pas pu boire de l'eau. Par respect pour tous ces gens qui ont fait cette route, j'ai même pas pu boire, j'ai signé. Aucun ne m'a dit, voilà un riche bourgeois sur un terrain de tennis d'un hôtel luxueux qui raconte comment il a vécu cette nuit-là. Tous ont dit, nous nous sommes reconnus. Et c'est là le miracle de la littérature.
Nel libro di La Ferrière si legge una frase che dice: è stato Malraux a mettermi la pulce nell'orecchio definendo l'uomo un mucchietto di segreti. E il segreto è qualcosa che stranamente, paradossalmente forse, si consuma molto in famiglia. C'è anche un segreto molto importante nel libro di Charlotte, perché la morte di sua sorella è avvenuta lontano, è avvenuta in Argentina, e quindi in famiglia si è consumato un segreto sulla morte di sua sorella. Volevo chiedere a Charlotte, perché pensa che i segreti siano così... perché pensa che i segreti si consumino in famiglia e perché sono così nocivi, così pericolosi? C'est vous qui dites qu'ils sont dangereux et nuisibles? Oui, c'est vous qui dites. Parce que moi, je suis, c'est tout le contraire pour moi. Les secrets nous mènent vraiment en voyage, et les secrets, en fait, nous protègent. Et, mais il faut vraiment le vivre, je pense, pour le comprendre, parce que c'est en démêlant justement l'idée du secret que j'ai promis à mon père que je garderai le secret de la suicide de ma sœur, parce qu'il m'a dit que ça allait tuer ma mère si elle savait. Ça, c'est quand j'avais 20 ans. Et j'étais fière de pouvoir justement être avec lui dans un pacte, en fait, qui... Je ne sais pas... Il y a une forme de protection que j'ai sentie dans ça. Après, peut-être, oui, ça, après, ça peut partir ailleurs. Mais si on revient au secret, si on dit tout très vite, si on dit ce qu'on sent tout le temps, si on répond tout de suite et on a un pignon sur tout, on n'est pas à l'abri du tout. On est totalement vulnérable parce qu'on a livré, on a livré, on a livré. Après, les gens prennent ces mots, justement, parlons des mots, et vous dites, ah oui, mais vous avez dit ça, ça, et c'est à l'époque, vous avez dit ça, et là, vous avez dit ça aussi, et pourquoi pas ça. Donc, tous ces mots, tous ces petits mots qui jaillissent, qui sortent de nous, très souvent, qui sortent des gens tout le temps, c'est bla 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 bla, comme ça. Moi, j'avais pas l'habitude de faire ça en enfance, je sais pas pourquoi, j'étais peut-être un enfant secret, j'étais un enfant... pas nécessairement distant, mais j'étais un enfant qui gardait ses distances pour mieux entendre, gardait ses distances avant de passer à l'acte, gardait ses distances avant de prendre la parole. Et c'est venu pas parce que vraiment je l'ai choisi, mais parce que tout le monde d'autre parlait. À table, tout le monde parlait. Moi, je commençais à parler, et bon, bah, j'avais pas... Il fallait ou crier beaucoup, comme dans toutes les familles, pour avoir la parole, ou on se dit, bah tiens... Je vais reculer en moi, je vais éventuellement écouter, si ça ne m'intéresse pas, ben, je reste dans un silence qui est peut-être moins nuisible qu'essayer de me bagarrer avec le bruit, avec les mots et avec le non-sens d'habitude que les gens qui pour moi, j'étais un peu jaloux parce que je peux dire que j'étais un peu jaloux parce que je suis toujours un peu jaloux des gens qui sont très bien en compagnie. Parce que je n'ai jamais appris comment être. Peut-être c'est pas ma nature, peut-être c'est mon éducation, c'est peut-être ce que j'ai fait, ce que je viens de vous dire, comment j'ai vécu. Mais les familles que tout le monde parle, que tout le monde s'embrasse, que tout le monde est ensemble, où il y a une forme de chaleur humaine que je vois que surtout les enfants adorent ça, moi je me suis... J'ai pris un autre chemin, le chemin du secret, le chemin, tout le monde pense, même jusqu'à maintenant, que je suis distante, que je suis froide, que je suis impénétrable, que je suis, voilà, que j'ai, on ne sait pas ce qu'elle pense. Très bien, en fait, c'est très bien. Mais il faut arriver à une certaine maturité pour trouver que c'est très bien, parce que sinon vous êtes en fait exclu de ce qui se passe
voilà, quand j'ai commencé à avoir du succès, j'étais celui qu'on invitait à tous les parties, je pouvais aller dans tous les endroits où je voulais, j'étais belle, j'étais jeune, j'étais femme, mais c'était pas pour moi. Donc tout ça, en fait, voilà, donc je sais pas la question, questionnement, parce que très souvent, je sais pas, comme Dani, j'arrive pas au bout, ou j'arrive pas à avoir la chose qui, voilà, mais pour le secret, pour moi, finalement, voilà, je sais ce que je veux dire, le secret pour moi, avec ce livre, est devenu quelque chose, j'ai compris ce que c'est, voilà, chaque fois que je dis qu'en ayant écrit ce petit livre que je comprends, mais c'est ça, Dani le dit aussi, c'est à travers c'est à travers notre enfance, petit à petit, qu'on fait des couches et 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 on a la possibilité de... Je sais plus. Souvenez-vous que d'habitude j'ai des scénarios, alors je suis pas toujours tout à fait au point avec la fin de l'histoire. Mais le charme de Charlotte, c'est précisément cela. Et quand elle dérive, et nous dérivons avec elle, avec grand plaisir, et on espère qu'elle ira le plus longtemps possible dans ce chemin, qu'à un moment donné elle se réveille. Mais nous voulons continuer parce que c'est là que l'esprit flotte, les pensées flottent. Et ce qui m'a touché aussi dans ce qu'a dit Charlotte Rampling, c'est la question de l'intimité et la question de la solitude. Et deux choses qui sont vraiment en voie de disparition. Je dis ça un peu généralement, je déteste parler généralement, mais ce qui est dangereux, et dans ce que je ressens, et c'est que ces choses-là qui structurent un être humain, qui lui permet d'avoir une certaine réserve, c'est-à-dire même avoir des réserves pour pouvoir, des réserves d'énergie intellectuelle, d'énergie sentimentale, d'énergie sociale, et bien ces choses-là sont presque perdues, c'est-à-dire les gens n'arrivent, beaucoup de personnes n'arrivent pas même à se rappeler que ça a existé. Le mot intimité est devenu un mot arriéré, un mot qui n'a aucun sens. On n'a pas le droit. Je me souviens dernièrement, j'étais à la télévision, à la radio, une radio très sérieuse, Radio-Canada, et on me posait des questions, et j'ai compris que la journaliste voulait absolument que je pleure ou quelque chose comme ça, ou que je dise des choses qui rappellent une émotion très forte. Je ne suis pas habitué à cela. Je pense que c'est une chose extrêmement privée. Quand j'écris, et je ne dois pas pleurer si je veux que le lecteur pleure. Donc je dois, au contraire, c'est quand je suis à sec, c'est là que je mets mes émotions les plus fortes. Mais la journaliste voulait absolument m'entendre dire cette émotion-là. Et je lui ai demandé, mais pour quelle raison? Elle dit, les auditeurs veulent ça. Ils veulent savoir si vous ressentez quelque chose qui vous fait mal. On veut être près de vous. Mais j'ai dit, mais est-ce qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas comme ça? Et des gens qui ne livrent pas leurs émotions, mais qu'il faut entendre ces émotions-là et de manière avec si vous prêtez l'oreille. Si vous prêtez l'oreille. Mais il semble qu'on ne veut plus prêter l'oreille. On veut que le bruit arrive avec une telle force qu'on n'ait pas besoin, qu'on peut faire, qu'on peut repasser ses vêtements pendant que l'autre pleure. Il y a quelque chose d'absolument et terrifiant, c'est qu'on a l'impression, et je mets ça sous le même mode que la corruption sociale, politique, est arrivée à un degré telle que beaucoup de gens ignorent ce qu'elle est. Et à chaque fois que je vois à la télévision, à la radio, des gens, pas forcément de la politique uniquement, des gens pris dans une histoire pareille, et la personne s'étonne. Ah bon, je ne savais pas que c'était illégal. Je ne savais pas que c'était pas bien. Je pensais que ça pouvait se faire. C'est pas si grave que cela. C'est-à-dire que c'est comme si on avait oublié même cette notion
comment, si elle avait une définition, ça a été repoussé tellement loin qu'il faut que ce soit un scandale d'une violence inouïe, presque tellurique, pour qu'on dise ça c'est mal. Et je crois que c'est un recul de l'intimité, c'est un recul de la solitude qui fait cela, c'est-à-dire une avancée du bruit. C'est tout ce bruit, et je vais le dire par rapport à la littérature, faire un lien rapide, et ce don de la littérature, qui est le plus grand don que la littérature nous a fait, ce n'est pas l'écriture, ce n'est pas la lecture, c'est le silence que provoquent l'écriture et la lecture. Quand on écrit, on se tait. Quand on lit, on se tait. Et ces millions, ces centaines de millions de gens qui, en ce moment même dans le monde entier, sont en train d'écrire, c'est-à-dire ne font pas de bruit avec leur voix, ou font un bruit d'une autre manière, et ces centaines de millions de gens qui sont en train de lire, eh bien cela nous fait comme une fleur, un silence. Et je crois que si l'équilibre du monde tient encore, c'est grâce à ce silence-là. Mais il est de plus en plus, il recule de plus en plus, et le bruit avance de plus en plus. Et ce bruit, la physique concrète, telle qu'on le connaît, ce n'est pas innocent. On ne tend plus l'oreille. On veut entendre tout en étant dans une posture de recul. On veut que ce qui se dit, comme Charlotte Rampling l'a dit tout à l'heure, le bruit de la table familiale, de la table familiale, ce bruit-là est maintenant, il se répand dans le monde et on n'entend pas les petites choses. On n'entend plus la voix de ma tante Renée qui pouvait, comme Charlotte, reculer parce qu'elle n'avait pas une voix agressive, parce qu'elle ne voulait pas, disons, se bagarrer pour dire un peu ses sentiments, parce qu'elle pensait qu'elle pouvait garder ses émotions et que ses émotions, même à l'intérieur d'elle, pouvaient fleurir et finir en quelque chose, en une beauté. Penso che ascolteremo Charlotte Rampling e Daniela Ferrier per ore ancora, ma dobbiamo purtroppo concludere. E forse questa riflessione sul silenzio è il miglior modo per concludere. E quindi io auguro a voi di ritagliarvi il silenzio necessario per leggere questi libri, perché ne vale veramente la pena. E sono veramente dei libri che si consumano nel silenzio della lettura. Grazie. Grazie davvero, grazie davvero. È stata una conversazione finale di una raffinatezza, di una leggerezza, di una poeticità, un degno finale di un decennale straordinario, credo, mi permetto di dare il mio commento a caldo di cosa sono stati questi giorni. È stato un decennale straordinario che non può essere che, come dire, il buon augurio per il prossimo anno, iniziare il primo anno del nostro secondo decennale. Giusto? Voi ci sarete, vero? Sì. Allora, ricordando che tra qualche minuto i nostri due autori saranno disponibili qui al gazebo per i firmacopie, come sempre, l'ultimo firmacopio della 10ª edizione, io avevo dimenticato di fare un ringraziamento prima, ma in coup de théâtre naturalmente, e mi permetteranno gli autori di ringraziare per questa edizione che è stata bella, interessante, ma anche difficile da gestire, complessa. E io come prorettore ho mirato tutta la squadra che ha lavorato, ma se non ci fosse stata la direzione di Pia Masiero e l'amicizia personale prima di tutto, e poi l'amicizia per tutti noi di Pia Masiero, questa edizione non sarebbe potuta esserci, e non è retorica. E quindi mi permetto personalmente questa volta
di ringraziare davanti a tutti voi, arrossirò un poco e dare un bacino a Pia Masero. Grazie a tutti, alla prossima edizione del 2018 con i 150 anni di Ca' Foscari.